Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon astuce lorsque j'ai besoin d'ajouter des textes sur mes créations et que je n'ai pas de tampon ou de dyes. Il va vous falloir un ordinateur et une imprimante. Tout d'abord, il vous faut un logiciel, donc un logiciel de traitement de texte, n'importe lequel peut faire l'affaire. Word étant le plus répandu, mais maintenant il est devenu payant. Donc moi, j'utilise tout simplement un logiciel qui était déjà intégré dans mon ordinateur, qui s'appelle WordPad. Donc, pour commencer, vous allez choisir le mot que vous voulez. Par exemple, je vais écrire « Félicitations ». Ensuite, je vais pouvoir choisir la taille du mot que je veux, en fonction de la création que je vais choisir. Ensuite, vous pouvez également choisir la couleur que vous souhaitez ici. Donc moi, je vais partir sur du violet, par exemple. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc à chaque fois, vous sélectionnez votre mot ou tout ce que vous avez écrit, vous pouvez tout simplement ici choisir votre police d'écriture. Alors, il y en a énormément, mais si par hasard, il y en a qui ne vous intéressent pas et que vous souhaiteriez avoir plus de police d'écriture, je vais vous proposer un site. Donc c'était un site qu'on utilisait beaucoup quand on était au lycée, lorsqu'on voulait faire nos CV, etc. Et ce site s'appelle Dafont. Donc Dafont Police, comme ceci. Et vous prenez tout simplement le premier. Et donc sur ce site, j'ai bougé la caméra. Et donc sur ce site, vous allez avoir énormément de polices d'écriture à télécharger. Alors bien sûr, c'est un site gratuit, hein. Il n'y a rien du tout à payer sur ce site. Donc si par exemple, je veux celle-ci, je clique sur télécharger. Donc, mon téléchargement apparaît ici en bas. Je l'ouvre. Et donc, ça apparaît ici. Ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Donc, je clique dessus simplement. Et je fais ici « Installer ». Donc, ça va très très vite. Ensuite, ce que je fais, c'est que... Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ensuite, ce que je fais, c'est que je retourne donc ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire donc le nom de la police d'écriture. Voilà. Je vais la sélectionner, donc en appuyant sur Entrée. Et ensuite, je peux écrire directement, et logiquement, ma police d'écriture va apparaître. Voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai plus qu'à agrandir. Je peux tout simplement faire des copier-coller pour avoir plusieurs fois l'écriture, hein, pour éviter de la recopier. Et ensuite, la seule chose que j'ai à faire, c'est cliquer sur l'imprimante, donc fichier imprimé. Et donc là, je sélectionne mon imprimante, le nombre de pages que je veux, etc. Comme pour imprimer classiquement. Hop, et j'imprime. Je vous retrouve sur mon bureau pour la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le résultat après impression de ce que j'ai fait avec vous sur l'ordinateur. Donc ça vous donne ceci. Ça rend quand même très très bien. Alors pour information, moi j'ai presque tout imprimé sur un papier basique d'ordinateur. Mais après vous pouvez imprimer sur n'importe quel papier.
Le principal, c'est que ça passe dans votre imprimante, mais vous pouvez absolument imprimer sur du cardstock ou alors imprimer directement sur votre base de carte. Ça pourrait faire une imitation tampon et je pense que ça pourrait être très très joli à tester, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ensuite, je vais vous montrer donc quelques autres feuilles que j'ai pu m'imprimer. Donc, je me suis imprimé le Vis tes rêves avec cette police d'écriture. Alors, je ne peux pas vous donner les noms des polices d'écriture que j'ai utilisées car j'en ai utilisé énormément. Mais bon, sur le site, il y en a beaucoup. Hein, vous avez de quoi vous amuser. Ensuite, j'ai encore fait le Vis tes rêves avec des autres polices d'écriture. Donc, ceux-là, il me reste à les découper. Après, vous pouvez les découper très très simplement. Ou alors ensuite vous pouvez venir les découper avec des dies, ou alors comme je vous ai dit, venir les imprimer directement sur votre base de cartes. Ensuite j'ai fait le joyeux anniversaire, pareil avec plusieurs sortes d'écriture. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer comment je les range. Donc, je les range dans une boîte comme ceci que vous pouvez trouver chez Action pour 2 euros. Et ensuite, je les découpe et je les mets dans des petits sachets où vous mettez les bases de cartes. Tout simplement. Et moi, je les trie par mots. Donc là, il y a Amour inconditionnel. Là, j'ai le Je t'aime en français. Et normalement, j'ai le I love you aussi en anglais. Ici. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, même des phrases. Moments précieux et uniques. Tendre complicité, ça, c'est celui que j'avais mis dans l'album photo. Ensuite, il y a Merci, que j'ai découpé d'une autre façon. Ça, c'était pour mettre sur une carte. Ensuite, il y a portrait à conserver. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a énormément de possibilités. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, je les ai utilisés sur un album photo. Voilà. Et ensuite, je les ai utilisés également pour faire des cartes. Et je trouve ça très très joli. Ça rend très très bien. Donc en fait, vous avez plein de possibilités. Laissez parler votre imagination et vous ferez de très très belles choses avec peu de matériel. Donc, je vous retrouve juste après pour vous montrer qui aura la dédicace après cette photo. À tout à l'heure! Donc, comme je vous l'ai promis sur cette vidéo, je vais vous faire une dédicace. Donc, déjà, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à commenter cette vidéo et à donner votre avis. Je suis désolée pour les gens que je peux pas choisir, mais après, en fonction des commentaires, s'il y en a de plus en plus, je ferai deux dédicaces. On verra bien comment ça se passe. Donc, pour le moment, je vais vous montrer quelle personne j'ai choisie. Donc, dans tous les commentaires. Donc, la personne que j'ai choisie, c'est Superbug. Donc, voici sa chaîne. Alors j'ai choisi sa chaîne qui parle de rétro gaming juste parce que il fait des chaînes sur, enfin des vidéos sur Mario Kart, sur Zelda, donc en fait sur tous les jeux qui a bercé notre enfance. Et ça j'adore en fait, j'ai kiffé le concept, donc ça a été un coup de cœur quand j'ai vu
quand j'ai vu cette chaîne. Et donc, je vous invite à aller y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Donc, ils publient des vidéos à peu près toutes les semaines. Donc, c'est super et franchement, moi j'adore. Et donc voilà, c'était la première petite dédicace que je voulais faire. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà. Si vous aussi vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. Et la prochaine fois, ce sera peut-être toi qui sera choisi.